Coucou tout le monde, ça vous dit aujourd'hui, on est parti pour un haul action et encore du travail. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que vous êtes prêts et ready pour cette vidéo de haul action. Alors j'espère que ça va pas durer trois plombes, mais il y a quand même des petites choses encore et encore, même si un petit peu le soufflet est tombé et qu'il y a un léger moindre de nouveautés. Mais bon, c'est par un coup. Des fois, il y en a beaucoup et des fois, il y en a moindre. Et des fois, il y en a, mais on les trouve pas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et bien, écoutez, en tout cas, moi, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est pour vous montrer tout ça. Hein, et voilà, voilà. Et bien, allez, sans tarder, on va quand même commencer. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo et qui est susceptible de vous plaire, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu, à partager. Et 2020, hein, parce que ben voilà, si vous voulez m'encourager, si vous voulez voilà m'aider entre guillemets à évoluer, c'est la meilleure façon, c'est gratuit et puis ça fait super plaisir. Donc je remercie à tous ceux qui l'ont fait et qui le feront. Voilà, voilà. Allez, on va commencer par un truc tout con, mais pas aussi anodin que ça. J'ai trouvé cette petite passoire. Voilà, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau rangement, eh ben, elle est pratique. J'en avais une plus grosse que j'avais trouvée à l'époque, je ne sais plus où, mais pas Action, ça c'est sûr et certain, mais elle est tellement plus grosse. Mais celle-ci, voilà, elle est plus petite, grise hein, forcément, il y a plusieurs couleurs, parce que chacun a sa couleur, moi grise, hein, parce que vous savez, ça va avec ma cuisine. Voilà, donc passoire, tranquillet, tranquillou, voilà, donc con, 1,79€ hein, me semble-t-il. Mais maintenant, je suis quelqu'un de très studieux et je vous marque les prix par là. Hein. Voilà, voilà. Donc, voilà. Bon, voilà. Ça, c'était le truc basique, mais super pratique au niveau rangement. Et ça, c'est canon. Ensuite, on ne peut pas passer à côté de ça. Petite bougie, 1,99€. Je l'avais payé parce que je l'avais pris dans les promos. Et ça sent toujours super bon. Voilà, les Glade. Oh, et puis, ceci dit, le petit truc, il est en bas. Et ceci dit, j'ai pas trop un bain en ce moment parce qu'elle se consume quasiment presque jusque tout en bout, tout en bas. Donc, bon, bah écoutez, je suis assez ravie. Et elle est trop mimes. Et c'est à quoi d'ailleurs? Tiens, c'est, on va dire, radiant, machin. Et c'est, bah ouais, radiant, radiant, radiant. Bref, elles sont bon. Hein. À mon avis, c'est fruit des bois. Enfin, je suppose. Je fais moi-même ma supposition. Voilà, voilà. Des petites merveilles que je vous ai présentées, je vous le redis souvent, que je vous ai mis dans le test des produits Action. Et franchement, c'est des produits juste canon que je vous ai testés, comme l'anti-bouloche pour le prix nickel. Et il y a un truc qui est récurrent, il y en a deux que je vous avais présentés, mais là c'est encore un troisième, c'est des lumières à détecteur. Et c'est juste top, j'en ai mis un dehors que vous avez vu, alors peut-être filmé un peu chelou parce que c'était dans la nuit, il y a le truc dans la cuisine et il y en avait un petit carré dans l'eau. Et là, hop, ils ont sorti cela, 3,99€. Ça c'est bizarre mais je m'en souviens bien de ce genre de prix. Celui-ci, il est comme ça, rectangulaire, voilà, comme ceci. Et là, il y a couleur noire. Bon, forcément, j'en ai pris deux, celui-ci couleur gris. Voilà, parce que du coup, j'en prends pour moi et puis je les donne aussi à mon père. Du coup, il est ravi parce que du coup, pareil, il est devenu accro à ce genre de truc. Il trouve ça super, super pratique. Donc, je ne les ai pas testés. Donc, il faut coller des piles. Quand vous l'accrochez, vous avez juste à déclipser pour changer vos piles. Ça dure un laps de temps. Vous avez, alors, je ne sais pas si ceux-là, il y a des petits boutons dessus, vous savez, comme dans la cuisine ou dans le petit carré que vous pouvez vous-même éteindre et allumer. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ceci. Et en fait, quand vous arrivez, pof, ça s'allume. Voilà, voilà, je vous présente le machin. Et ceci dit, au niveau design, je le trouve assez sympa. Donc ça, c'est des pépites, sincèrement. Pour les prix, encore une fois, c'est juste trop bien. Parce qu'à Amazon, c'est pas que je dénigre Amazon, hein, parce que j'aime bien Amazon aussi. Hein, mais des fois, ça coûte beaucoup plus cher. Même si les prix ont augmenté, Action reste encore soft. J'ai trouvé deux nouvelles senteurs de désodorisant maison. Ceci dit, avec tout ce que je vous ai présenté en déo maison, j'en ai pas encore utilisé les trois quarts, figurez-vous. Et pourtant, je me chipchip tous les jours, voire plusieurs fois par jour et partout. Bon, forcément, c'est pas le truc qui tient. C'est un peu comme les diffuseurs. Ceci dit, vous vous rappelez la vidéo que je vous ai tournée il y a pas longtemps sur la vidéo La folie des petits prix. Vous savez, le petit Mikado diffuseur à la mûre. Oh, mais comme ça diffuse!
Ça sent, mais trop, trop bon. Je ne sais pas le temps que ça va diffuser. Il faut bien retourner les bâtonnets de temps en temps, mais il diffuse trop bien. Pour 2,99 €, sincèrement, j'en suis ravie. Bref, ce n'était pas le sujet, mais je voulais quand même vous en faire un retour. Donc voilà, donc celui-ci, White Flower, franchement, celui-ci, je ne l'ai pas senti. Mais il sent super bon. J'aime bien l'odeur et j'aime bien cela. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'aime bien ces petits pchit-pchit, moi, comme ça, cela. Par contre, cela, il part en deux-deux. Il sent super, super bon. Et celui-là, l'orchidée rose, tout mimes, trop cute. Voilà, il est trop chou, choupinou, 1,66 €. Bon, de toute façon, je ne vais pas aller, allez, j'arrête. Je vous les mets ici. Mais voilà comment il se présente. Et celui-ci, c'est pareil. Hein. Il sent... Celui-là, je l'avais déjà vapeau et il sent trop, trop bon. Donc, c'est canon. Donc, voilà, ça, c'est les nouvelles senteurs et les nouveautés que l'on trouve en ce moment dans les diffuseurs. Allez, maison. On passe à autre chose. Il n'y a pas de bouffe. Il n'y a pas de cochonnerie. Hein, vous avez vu, sur ce hall, il n'y a pas un pet de cochonnerie. Il n'y a pas rien. Voilà, pas de boisson, rien, que nenni. Bon, il y a de la crème, par contre. S'il n'y a pas de bouffe, il y a de la crème. Donc, ils ont sorti la crème Diadermine au pH hydratant matifiant soin de jour. Donc, peau normale à mixte, donc 88% d'ingrédients naturels. Elle promet, elle n'était même pas accessible, elle ne valait même pas 3 €. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas vue, bonne compo. Comme je vous le redis, ils ont sorti aussi une autre crème, la vitamine, je ne sais plus trop quoi. Voilà, c'est un contenant de 50 ml. Voilà, et je vais découvrir, est-ce qu'il est operculé ou pas? Eh bien, il n'est pas operculé. Donc, ça veut dire qu'il faudra l'utiliser assez rapidement. Elle sent bon, elle n'est pas du tout entêtante. Ouais, et elle est très fluide par contre. Elle n'est pas épaisse, hein, je vous le dis comme ça. Donc, bon, à en mettre un petit peu parce qu'après, quand c'est fluide comme ça, pour la faire pénétrer, il faut... Ou alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre son temps. Donc, Diadermine, chez Action, hein, au cas où. Bon, pour continuer, je vous avais déjà présenté une crème dans mon haul précédente, une pépite operculée et notée hyper bien. Mais voilà, ils ont sorti ces crèmes-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y en a des crèmes? Je ne sais pas comment on va faire. Donc, la Dream Cream, le rêve, la crème de rêve qu'ils ont sorti. Je vous dis tout de suite, les compos, elles atteignent même pas totalement. Elles sont proches de la moyenne, mais bon, en dessous. Mais bon, voilà. Donc, celle-ci, voilà, elle est... Alors, je sais même pas, j'ai même pas ouvert. Donc, le packaging est légèrement craquelé. J'espère que ça n'a pas été ouvert. Donc, Clean Beauty, Azira, c'est comme ça. Celle-ci est à l'huile d'avocat. Petit pot vert, comme je les aime. Ceci dit, le petit pot, il est assez sympa. Maintenant, vérification. On va voir tout ça. Eh bien, c'est pas operculé. Mais par contre, personne n'a mis la petite main dedans, à part moi, à l'instant. Ça sent vraiment l'avocat. Donc, bon, les boules aussi, ça veut dire qu'il faudra l'utiliser assez rapidement. Voilà, celle-ci est un peu plus épaisse. Donc, bon... Donc, c'est un contenant de 50 ml. Donc, bon, et ben, à mon avis, là, dans les 6 mois à venir, il faudra startiner le visage de ces crèmes. Donc, il ne faut pas que je les range trop, trop loin. Et je suppose que celle-ci, c'est la même chose. Donc, celle-ci, c'est la Fruit Splash à la Watermelon. Donc, c'est une crème hydratante, à la différence de celle-ci qui doit être nourrissante. Ouais, qui est donc plus nourrissante et celle-ci hydratante. Donc hydratante, c'est pile poil pour presque maintenant que celle-ci serait été presque plus pour l'hiver. Donc bon, bah, à mon avis, c'est pareil. C'est pas du tout operculé parce que c'est la même gamme. Donc je vois pas pourquoi elle l'aurait fait pour l'un et pas pour l'autre. Voici le petit packaging. Voilà, voilà. Et. Bon, il y a quand même une petite opercule. Hein. Mais elle sent bon. Ça sent vraiment la pastèque. Oui, watermelon, on a l'impression que c'est du melon, mais c'est de la pastèque, hein, techniquement. Maintenant, je m'y suis fait. Au départ, je me dis, waouh, du melon. Mais bon, non, c'est pas ça. Donc, voilà, voilà. Donc, pour cette petite crème, ils disent que c'est 98% d'ingrédients naturels et c'est vegan. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils indiquent aussi en plus. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Petite crème de jour, pas très chère. Je crois qu'elle valent même pas 2,50 € entre nous. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de crèmes à utiliser, beaucoup de crèmes pour calculer. Après les crèmes,
toujours pour le visage. Et là, on en a une ribambelle de chez Ribambelle, les masques visage. J'ai pas encore les Disney, ceci dit, mais bon, peut-être que ça va arriver. Alors, apparemment, ce sera un repack, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est un... Ils ont refait des repackaging. Ceci dit, il y a une princesse nouvelle qu'on voyait pas, c'est celle de la... Comment elle s'appelle? La princesse et la grenouille, là. Je me rappelle plus de son nom. Et voilà, donc je sais pas si c'est du repack ou pas, en tout cas, c'est quand même des nouveaux masques. Cela, je les ai pas, mais par contre... Ils ont quand même sorti entre les coffrets et tout, quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, voilà. Donc, écoutez, on va commencer par cela. Donc, cela, c'est à l'argile. Donc, bon, je vous remets les prix. Donc, celui-ci, c'est pour smousser le visage, donc pour leur donner un teint lumineux. Celui-ci, c'est pour détoxifier. Et celui-ci, c'est pour les pores. Voilà. Hop. Je vous les montre. Hop. Et hop, donc ceux-là, ils sont allergiques, ils ont l'air sympas. Donc franchement, bah écoutez, à tester. Franchement, c'est pas souvent. Ensuite, ils ont fait cela. Alors cela, c'est, il y en a que deux. Donc les voilà. Donc pareil, hein, je vais pas tout vous ressortir. Celui-là est à la vitamine et celui-ci, pareil, vitamine complexe. Mais bref, ils ont des actifs. À la pêche et celui-ci à l'acacia. La question, je sais pas trop. Donc, ceux-là, ils prennent le visage et ils prennent le cou. En plus, ils sont séparés en deux. Ça, c'est un avantage. Vous voyez, ils sont séparés en deux. Donc, si vous n'avez pas forcément envie de vous taper le visage et le cou en même temps, vous pouvez ou mettre juste sur le cou là un jour et un sur le visage. Bon, après, quel intérêt d'y dépareiller. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de ne pas l'utiliser l'un et l'autre obligatoirement. Donc, ceci dit, le cou, c'est très bien. Comme je vous dis souvent, quand vous passez votre crème, pensez à toujours prendre le cou en même temps. Hein. C'est hyper important. Pas qu'ici, ça se fripe avant que ça se fripe ici. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Ce n'est pas les compos non plus les plus clean hein, qu'il y a. Mais écoutez, les masques, voilà, les Cheap Max. Donc, il y en a deux nouveaux aussi qui sont sortis. Donc, celui-ci au Smoothie Love et celui-ci au Nice Cream. On a toujours une tronche avec ces machins. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Ceci dit, les packaging, ils sont juste canons. Moi, j'adore ces masques. C'est juste pour le packaging, quoi. Pour la compo, j'en sais rien, là, mais... Celui-là, il est trop hypant. Franchement, il a la pêche. Il donne la hype avec ses fruits, ce côté vert, là, qu'on a sur la tronche, là, ici. Hop. Voilà, qui est juste là. Ça, à mon avis, ça doit faire vraiment bizarre. On n'en a pas fini, hein. Attendez. Ouais. Ensuite, ils ont sorti ces masques Disney. Alors, Pompon, il est trop cute. Il n'y en a que deux aussi, hein. Cherchez pas à en savoir s'il y en a plusieurs. Il n'y en a vraiment que deux. Donc, il y a lui, en sang dalmatien. Donc, là, celui-ci, si vous avez envie de vous relaxer. Voilà. Il est trop, trop bims. Et Pompon, mais ça, c'est, il est trop beau, Pompon. Et donc, celui-ci, c'est pour les pores, le glow. C'est pour hydrater. Donc, il est trop cute. Et pour finir, voilà. Pack approche, apparemment, pack approche déjà depuis un petit moment chez Action. Donc, voici. Voilà, donc nous avons, pour commencer, alors celui-ci. Par contre, si on les met sur la tronchette, ça vaut le coup de peut-être se prendre une petite selfie pour voir la tête qu'on leur va voir. Parce qu'à mon avis, ils ont l'air pas trop mal. Donc, nous avons le petit lapin, comme ça, avec le packaging holographique. Voilà, donc ça donne ça ici. Hop, voilà. Donc, petit lapin. Ensuite, après le lapin, nous avons l'œuf. Nous avons vraiment la tête d'œuf. Hein. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Donc, la tête d'œuf. Œuf au plat, ceci dit. Hein. Pas œuf dur, œuf au plat. Ensuite, nous avons Hamtaro. Oui, vous savez, Hamtaro. Attendez, c'est quoi la chanson Enfin, j'adorais cet animé, franchement. Enfin, bref, un petit hamster. Il est trop hypant, franchement, pareil, trop mimes. Alors, c'est quoi la tronche qu'on a avec? Bon, c'est pas bien grave, voilà, mais regardez. Hein? Est-ce qu'il n'est pas trop joyeux celui-là? Et puis, bah, bien sûr, évidemment, le soleil que l'on a. Alors, je ne sais pas s'il y a les lunettes hein, quand même avec. Hein. Là, je ne garantis pas et je ne vais pas l'ouvrir, mais quand on regarde la photo, hop, qui est ici, hop, là, juste là, vous voyez, il y a les lunettes. Bon, je doute quand même que, comme il y a un trou au niveau des yeux, il n'y aura pas ça. Après, ils ont sorti le produit, j'allais dire, presque phare d'Action. C'est ces fameuses poudres libres qui sont super bien. Voilà. Et celle-ci, c'est la seule qui ne me manquait pas.
Je vous avais présenté à la fraise, je vous ai présenté à la mangue. Là, ils ont ressorti. Alors, 1,99€, ça, par contre, c'est un prix que je n'ai pas, mais alors pas du tout, du tout oublié. Dory n'est pas là. Donc, c'est le seul, la coco, que j'avais pas. Donc, je l'ai prise. La mangue, je ne l'ai pas prise parce que je l'ai déjà et je vous l'avais déjà présenté. Donc, je ne vais pas reprendre parce que c'est quand même des bons contenants, hein, quand même. Hein. Ils durent assez longtemps. Donc, 22 grammes, ça laisse. Par contre, celle-ci, elle est blanche. Donc, bon, j'espère pas qu'elle fait des effets flashback. Mais voilà, j'aime bien la mangue parce que déjà, elle sent bon et parce qu'elle est légèrement matifiante. Donc, voilà, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je sais qu'au choix de beaucoup de personnes, dites-moi vous laquelle que vous préférez, des poudres libres comme ça. Je sais que beaucoup préfèrent la mangue. Bon, après moi, par curiosité, je vais quand même tester la coco. Je vais peut-être pas la garder pour l'été, pour faire trop blanc, ou à moins qu'on ait un visage bronzé, je sais pas. On verra quand j'aurai fini l'autre. Mais en tout cas, celle-ci, elle est scellée. Elle est, voilà, donc au moins, elle est protégée. Donc, on peut la garder encore un peu. Ensuite, en ce moment, make-up, ils ont sorti les nouveaux mascaras bourgeois. Il y en avait un noir. Ils ont tous les deux le même truc. Hein. C'est pour donner du volume. Donc, max, un volume max. Moi, j'ai pris le rose comme ça. Je trouvais que c'était plus cute. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Et par contre, comme vous me connaissez, vous connaissez le packaging comme ça, ça me gonfle. Ça va tout coller encore. Mais bon, donc, on va regarder là-bas. Voilà le petit mascara. Alors, c'est vrai que ça fait rouge comme ça à la caméra. Mais je vous assure, il est rose. Hein. Et hop, bon, il y a une légère odeur et voici la brosse, donc simple et effectivement elle est assez épaisse et à mon avis si on la prend bien sur la courbe des cils, bon après il n'est pas forcément chargé, c'est légèrement là, mais bon, à voir et à tester, bah écoutez, à l'occasion si vous voulez, on testera ensemble ou j'essaierai de faire un short avec et puis on gardera. Tiens, c'est une bonne idée ça, très très bonne idée, faire des petits retours comme ça sur les make-up en short. Ouais, je viens d'avoir une lumière qui vient de me popper au coffret de la tête. Rouge à 3,99€. Il est vraiment, vraiment mignon. Ils en sortent régulièrement. Le précédent, il s'appelait Bisous. Et celui-ci, lipstick. Hein. Donc, mais super sympa. Ça va. C'est vrai, je ne l'avais pas ouvert. Je me suis dit, j'espère qu'ils sont tous là. Donc, voici. Là, voilà. Alors, celui-ci. Hop. Oula, c'est un rouge bien foncé. Hein. Voilà. Ah, il pue par contre. Ah, formidable. Ah, et puis alors, vous savez ce que je déteste, et je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, c'est qu'ils ne sont pas rétractables jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que vous allez me dire 3,99€. Oui, ok, c'est vrai, j'avais bien compris le prix. Mais voilà, quand on veut remettre le bouchon, il faut faire hyper gaffe parce qu'on a tendance à le. Donc, celui-ci, c'est la Hey Candy. Alors, la Hey Candy, voilà ce que ça donne. Toujours pas English. Hein. Pas l'accent English. Donc, là, couleur, elle est comme ceci, marronné, et lui, ce sera plus dans les teintes que j'aime, et très léger, et ça fait toujours autant. L'over, voilà, l'over, waouh, voilà, donc l'over, on va le mettre à côté de l'autre, qui a une légère ressemblance, hein, au niveau des sous-tons, j'allais dire, je fais hyper gaffe quand je le remets, voilà, vous voyez ici, il a un petit peu plus, on va regarder, voilà. Think Drink, hop, oula, Think Drink, il est... Dis donc, ils sont restés un peu dans ces couleurs rosées, rouges. Voilà, il est juste ici. Par contre, ils sont crémeux, ils sont glissants. Hein. Il n'y a pas de souci, de ce côté-là, on peut y aller. Ensuite, nous en avons deux encore, The One. Donc, The One, c'est un marronné. Donc, je vais le mettre à côté de l'autre marron. Voilà, il est juste ici. Je ne sais pas pourquoi je mets mon nez dedans, parce que ça sent toujours pas bon. Et le dernier, c'est Total Flirt. Flirt. Et la couleur, elle est un peu encore dans les rouges. Hop, je vais le foutre là. Voilà, comme ça, on a toutes. Donc, nous avons, hop, ici. Voilà. Voilà les tonalités des rouges. Alors, c'est vrai que oui, ils sont crémeux. Ils sont tout ça. Mais qu'est-ce qu'il pue ? Voilà, voilà. Mais les couleurs, peut-être sympas. Après, il faut vraiment aimer ce genre de couleurs. Hein. Faut vouloir les porter. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, comme je vous l'ai dit, 3,99€. Comment pas se laisser tenter? Comment résister en disant, toi, non, je ne te veux pas, je ne te prends pas. Non, c'est pas possible. Des quelques petites nouvelles ou parfums qui sont arrivés. Et assez sympa. Donc, on va commencer par celle-ci.
que l'on connaît, que l'on a déjà vu, mais celle-ci est en rouge. Voici, voilà, 3,49 € me semble-t-il. Moi, j'ai l'argentée, la dorée, mais je n'avais pas celle-ci. Et je ne sais pas si ce n'est pas la première fois, parce que je ne l'ai jamais vue à Action. Et, ou peut-être que c'était à l'époque où je n'allais pas encore à Action. Il y a peut-être ça aussi. Dites-moi, vous, en commentaire, si c'est déjà arrivé à Action, celle-ci, de cette couleur-là. Parce que moi, c'est la première fois. Et elle sent, mais trop bon. Franchement, d'ailleurs, elle me fait penser à un parfum Stiletto. Et vous savez quoi, on les trouve aussi à Normal. Mais alors, quand même, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, voilà la petite saussure. Voilà, comment elle se présente avec ses petites paillettes. Voilà, son petit contenant. Et c'est vrai qu'elle sent... Enfin, moi, perso, je trouve que ça sent bon. Après, hein, vous attendez pas à ce que ça maintienne toute la journée. Hein. Il ne faut pas non plus déconner. Hein. C'est pas le truc qui vaut 70 euros, quoi. C'est le truc qui vaut 3,50 €. Mais juste là, l'odeur, franchement, sucrée. Voilà, pile poil pour maintenant. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si celle-ci était déjà sortie. En tout cas, moi, c'est la première fois. Donc, je crois que je les ai toutes. Et je suis assez contente. Pour finir, voilà, ils ont sorti... deux parfums comme ça. Il y en avait un rose. Je me suis dit, prendre les deux, c'est chiant parce que quand même, c'est comme les masques, hein, ils en sortent régulièrement. Et après, hormis le fait d'en faire une collection, il faut quand même des fois un peu les utiliser. C'est bien pour aller au taf tous les jours, c'est pratique. C'est au moins, on n'use pas les bons, les gros et tout. Et comme l'odeur, elle reste, oh, ça sent trop, trop bon. Du coup, moi, j'ai opté pour le violet parce que je me suis dit, allez, je prends beaucoup de rose. Allez, on va changer. Mais le rose, du coup, je l'ai en tête, là. Il est là, il est là, il est trop beau. Il a son packaging, c'est exactement le même, un peu en rose givré. Enfin, bref. Du coup, Fairy Wings. Donc là, c'est Night Love. Donc, pour la nuit, allez, les jours s'agrandissent. Donc, on va plus aller du côté nuit. L'autre était peut-être plus douceuette, doit sentir peut-être plus fort. Mais bon, écoute, voici, on va regarder. Les packagings sont trop, trop beaux. Celui-là, du coup, je le pensais en violet. Finalement, il est en bleu. C'est pas grave, j'avais pas pensé comme ça. Regardez, ils sont super jolis avec des petites antennes comme ça, trop trop mimes. Voilà, donc je sais pas, est-ce que vous avez craqué pour un des deux? Ouh, il a failli m'échapper des mains celui-là, ça craint. Et celui-là, il sent waouh! Faut peut-être laisser le temps de s'évaporer parce que il m'a l'air un tantinet fort. C'est sûr, si c'est pour la nuit, et il faut que ça sente. Ah si, si, si. Je préfère celui-là quand même, hein, mais bon. Ils sentent bon. Franchement, ils sentent super bon. Packaging canon, bouteille canon. C'est juste sympa. Et même pas, je crois, même pas pour 4 €. Donc, voilà les petites dernières nouveautés d'Action. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont nous réserver encore. Je suis assez curieuse, en fait. C'est toujours ça, en fait, de savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que l'on va trouver, qu'est-ce qui va être sympa. Mais bon, voilà. Et puis, forcément, on prend toujours, même si, comme je vous dis, on en a déjà un bon paquet. Hein, parce que depuis, entre les brumes, les machins comme ça... Mais bon, si vous avez regardé mes brumes, vous savez pourquoi je m'en sers. Je m'en sers pour moi et je m'en sers pour la maison aussi. Mais voilà, on finit par une note quand même assez sympa. Donc, ceci dit, pour moi, là, tout ça, je suis assez ravie de ce que j'ai pris. C'est pas un craquage trop en vain, j'allais dire, cette fois-ci. Mais ça reste toujours du craquage. Hein. À la fin, le banquier, il n'est pas très, très content, j'allais dire. Et ben voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez tout vu. Je ne sais pas si vous avez craqué également pour ce coffret de rouge. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas les couleurs, si voilà, hormis l'odeur, hein, bien évidemment. Mais voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'était le cas, n'hésitez pas. En tout cas, moi je le dis souvent, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ce que vous aimez, vous profitez, vous vous amusez, vous riez, vous chantez, vous faites votre life de bonne humeur. Et moi, je vous fais plein de gros bisous parfumés et on se dit à très vite pour une...